Bonjour, je viens vous parler de ce qui attend les natifs du Lion durant cette année 2022. Comment je vais m'y prendre? Je vais, dans un premier temps, rappeler, on va échanger ensemble sur la base de qu'est-ce que veut mon Lion? Qu'est-ce qu'il veut dans la vie, mon Lion? Après, je vais vous parler de toutes les planètes lentes qui sont là en toile de fond, qui sont là au-dessus de nos têtes. Il y en a plusieurs, je vais rentrer dans le détail. Et puis après, de façon très concrète, je regarderai tout au long de l'année avec ma petite liste, je me suis fait mon checklist de toutes les planètes rapides, hein, Mercure, Vénus, Mars, tout ce qui nous concerne dans des moments plus pointus. Voilà, c'est ça, je vais m'y prendre comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Avant tout, mon lion, qu'est-ce qu'il veut? Hein, mon lion, c'est là où la position du soleil est la plus forte, la plus puissante, la plus verticale, la plus chaleureuse, la plus chaude. C'est là où l'amour de la vie est à son paroxysme, à son maximum. Donc, mon lion, il a besoin d'oxygène, d'amplitude, il a besoin de mobilité, il a besoin d'être libre, il a besoin d'avoir un champ autour de lui avec une visibilité d'ensemble, une sorte de verticalisation des situations qui est en grande partie votre valeur ajoutée. Si je parle vite, après pour les planètes, Olivier en toile de fond derrière m'a fait un truc assez formidable. Il est super efficace, il est lion, tiens, justement. Et il m'a organisé tout ce que je vais vous raconter là sur des tableaux, hein, une sorte de calendrier des périodes de chance et de prudence. Donc vous verrez, il y a un lien, il va vous mettre un lien quelque part. Voilà, c'est dit. Donc qu'est-ce qu'il y a au niveau planétaire cette année? On va commencer, on va regarder les cinq grosses, les cinq lentes. Quelles sont les cinq lentes? Il y a Pluton, Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter. Dans l'ordre. Pluton, actuellement, il est en fin Capricorne. Il ne forme pour l'instant aucun aspect avec vous. Pluton, la planète de l'anxiété, de l'angoisse, etc., ne forme pas. Il fait son tour en 250 ans en Capricorne. Il vous fiche la paix. Il faudra regarder un thème individuel, mais très globalement, vous n'êtes absolument pas concerné. Il fait ce qu'on appelle un quinconce. C'est un angle de 150 degrés. Un angle de 150 degrés en astro, c'est à la fois un carré 90 et un sextile 60. Autrement dit, c'est neutre, quoi. Polarisons pas sur ce truc-là. Oublions Pluton. Ensuite, j'ai Neptune. Neptune, planète de la sensibilité, et chose qui est très peu connue, deuxième planète qui gouverne le signe du lion. Le signe du lion, on en voit très fréquemment que le côté solaire, l'autorité naturelle, la chaleur, hein, toute cette force de vie d'une extrême puissance, on oublie trop souvent que Neptune, la sensibilité, est la deuxième planète qui gouverne ce signe. Et la sensibilité, la réceptivité, la perméabilité face à l'inconscient collectif, hein, qui était cher à Jung, qui était lion lui aussi, pour l'anecdote, hein, vous octroie, vous accorde, vous offre cette possibilité d'être étonnamment intuitif, étonnamment fin dans votre façon d'appréhender l'humain d'une manière générale, et également dans votre façon d'appréhender tout ce qui est autour de vous, en mixant à la fois cette vision d'ensemble que vous avez qui permet de verticaliser pour comprendre tout de suite l'essentiel d'une situation, et en même temps cette intuition au plus profond de vous-même qui vous permet de sentir là où il faut aller, où il ne faut pas aller, et de sentir au niveau de l'humain avec une extrême finesse. Et Pluton et le Neptune qui actuellement est en poisson est très puissant, parce qu'il est chez lui, il est dans son deuxième endroit de maîtrise en quelque sorte. Donc, beaucoup d'intuition durant cette année à venir. Fiez-vous à votre nez, fiez-vous à votre feeling. Ça va être assez marqué. Après, la troisième planète qui m'intéresse, c'est Uranus. Uranus, il est dans le signe du taureau. Donc, il forme avec vous un carré. Sur ça, il va falloir qu'on regarde les périodes durant lesquelles c'est plus complexe et les périodes durant lesquelles c'est super efficace et super positif. Uranus, c'est la planète de la nouveauté, du changement, de l'imprévu, aussi des transformations radicales, de l'impatience. Uranus en taureau, en ce moment, il vous envoie une énergie qui est un petit peu en excès. Donc si on le canalise bien, Uranus est neutre en fait dans sa coloration. Il ne fait que réveiller ce sur quoi il passe ou ce sur quoi il forme des aspects des transits. Donc si on prend son temps pour avoir une vision d'ensemble, de manière à bien canaliser l'énergie où vous voulez la mettre dans une dynamique clairement identifiée, avec un objectif qui est bien ciblé, il sera tout au long de l'année un puissant allié pour vous rendre plus réactif, plus rapide, plus efficace et à trancher de manière assez nette, quoi, sans faire dans le détail. En revanche, si on se laisse boulotter par les excédents d'influence uranienne, surtout quand il y a Mars qui est dans la zone, ce sont des périodes durant lesquelles on risque de trancher de façon un peu radicale, un peu vive, dans l'impatience,
Et là, en voulant aller trop vite, on perd du temps finalement. Donc c'est ça qu'il va falloir paramétrer tout au long de l'année avec l'aspect d'Uranus. Après, j'en ai un autre, c'est Saturne. Saturne, il est en Verseau. Saturne, il est opposé. Saturne, c'est le temps, c'est Chronos. C'est pour ça que je vous parlais d'Uranus avant. Le temps, Chronos, vous invite à prendre le temps de bien faire les choses. Donc on ne précipite rien tout au long de cette année parce que j'ai l'opposition de Saturne qui lui pousse à élaguer, à nettoyer, à vous soulager, à vous alléger. Voilà le mot que je cherchais. La bonne terminologie, c'est ça. À prendre du recul par rapport à tout ce qui vous pesait depuis des lustres et qui nécessite qu'on tourne la page, qu'on passe à autre chose et qu'on se libère de tout ce qui coince sans se faire envahir par le poids des contraintes du vécu, de ce qu'on traîne de manière antérieure. Voilà. Donc il y a une sorte d'élagage, de nettoyage à faire, c'est pas le printemps mais ça y ressemble, hein, on coupe tout ce qui déborde, tout ce qui dépasse et on se retrouve plus libre pour de nouveau nous concentrer sur ce qu'il y a devant vous. C'est ça l'objectif prioritaire cette année. Ensuite, j'arrive aux bonnes nouvelles. Les vraies, vraies, vraies bonnes nouvelles arrivent maintenant. La bonne nouvelle, c'est Jupiter. S'il y a une planète parmi toutes les planètes qui est intéressante pour calibrer l'optimisme, la joie de vivre, la chance, voir le bon côté des choses, c'est Jupiter. Jupiter, il va former avec vous, durant l'année, des séquences, des moments qui vont être particulièrement positifs, extrêmement vivifiants, totalement tonifiants et à la clé des périodes de chance, de chance, de chance à attraper. Je vous indique maintenant quand est-ce qu'il sera positif. Alors, Jupiter, jusqu'au 10 mai, il est dans le signe des poissons. Dans le signe des poissons, il forme un quinconce, il est neutre. Là, c'est le libre-arbitre est à son maximum. En revanche, celle-là, vous ne la loupez pas. Entre le 10 mai et le 28 octobre, c'est une belle période ça, entre le 10 mai et le 28 octobre, c'est un beau truc. Hein. C'est mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, pas loin de 6 mois en gros, énorme quoi. Vous avez Jupiter qui vous protège, mais plein pot. Là, on a un cadrage d'une dynamique qui est porteuse d'optimisme, de chance, d'opportunités heureuses, de tout ce qui va vous permettre de prendre de l'expansion. Jupiter, c'est l'expansion. Quand il sera en bélier, il va former avec vous un trigone de 120 degrés. Un truc, mais vraiment, me loupez pas ce truc-là, quoi. Cette période-là, elle est clé, elle est majeure, elle est centrale. Mettez toutes les chances de votre côté pour donner du corps, du contenu, de la densité et de la durée à ce que vous êtes en train de mettre en place, en laissant le moins de zones de flou possible et en allant de l'avant, en vous entourant de façon structurée. Là, ça paye. Hein. C'est vraiment des périodes qu'on traverse rarement. Et puis celle-là, elle est absolument magnifique, magnifique. J'insiste lourdement sur le sujet. Voilà, c'est dit. Après, maintenant, je vais vous parler des planètes rapides. Les planètes rapides, il y a quoi ? Il y a Mars, l'action, Vénus, la vie amoureuse, et Mercure, la communication. Ce sont les trois outils fondamentaux sur lesquels on s'appuie pour organiser son quotidien sur des moments beaucoup plus rapides, parce que les cycles de ces planètes-là sont plus rapides, donc les séquences sont plus courtes. Je rentre dans le concret. Mars, c'est la volonté, l'action. Mars, il vient vous protéger. Bon, il ne vient pas vous protéger tout de suite, hein, parce qu'il forme des... il est bon jusqu'au 13 janvier. Jusqu'au 13 janvier, il est dans un signe ami, il forme avec vous un angle de 120 degrés, un trigone. Jusqu'au 13 janvier, là, on démarre bien. Ensuite, en Capricorne, il est neutre. En Verseau, il est opposé. Il redevient en Poisson, il est aussi en Quinconce, il est neutre. Mars redevient particulièrement bienveillant, actif. Hein, c'est des périodes durant lesquelles, quand on bouge, quand on fait des choses, ça paye, ça porte. Hein, il y a moins de déperdition d'énergie. Et puis ça, vous aimez bien, quand quitte à faire des efforts, il faut que ça paye, sans qu'on prenne trop de temps et sans qu'il y ait une déperdition d'énergie, c'est votre truc. Donc cette période-là, vous ne la loupez pas. Mars vous veut du bien entre le 24 mai et le 5 juillet. Ça, c'est que du bonheur. 24 mai, 5 juillet, hein, il est dans une zone où il est extrêmement puissant, il sera en bélier, donc trigone avec vous, là, c'est une pêche, c'est les meilleurs aspects des trigones, hein, pour Mars. Quand on l'a en conjonction, c'est super tonifiant, mais en même temps, il peut être un peu excessif, parce que c'est une planète extrêmement active, et puis c'est de l'énergie tout chose, quoi. Mais là, en trigone, il est somptueux, c'est une pure merveille. Et puis, il revient vous donner un petit coup de pouce quand il sera en gémeaux. Et là, il sera ce qu'on appelle en dixième maison solaire. En dixième maison solaire, c'est le domaine professionnel, carrière, travail, vie sociale. Et il va y rester, accrochez-vous bien, il va y rester entre le 20 août et le 31 décembre. Et même au-delà, mais je m'arrête fin 2022, ben, ça sur 2023. Donc, entre le 20 août et le 31 décembre, Mars, la volonté, l'énergie, l'action, va rester pendant cette
longue période encore une fois, dans votre secteur social, professionnel et vie extérieure. Donc ce sont des périodes durant lesquelles, si on a l'endurance, si on a la ténacité, si on a la volonté de faire évoluer ce qui vous tient vraiment à cœur, là vous avez en main tous les outils pour y arriver, quoi. Hein, ça, je veux pas qu'on me loupe des périodes comme ça. Ce sont des périodes extrêmement intéressantes pour être actif, en fait, tout simplement. Allez, maintenant je vais vous parler de Vénus. Vénus, c'est notre vie amoureuse. Vénus concerne notre capacité à créer du lien, à nous rapprocher, à exprimer nos émotions, à prendre des moments de plaisir, à prendre confiance en soi, à charmer, à aimer. Hein, tout ce panel-là, c'est Vénus. Vénus vous veut du bien, mais pas tout de suite. Vénus sera extrêmement porteuse, efficace et bienveillante à partir du 3 mai. Je ne polarise pas là, sur les périodes un peu neutres ou les périodes qui le sont moins. Je me concentre vraiment sur ce qui est bon. Entre le 3 mai et le 28 du même mois, entre 3 et 28 mai, Vénus, magnifique. Hein, période de charme, charme, charme maximum. Plaisez, beaucoup, profitez-en. Ensuite, Vénus formera encore des beaux aspects avec vous du 23 juin au 18 juillet. Autre séquence durant laquelle votre vecteur, votre curseur charme est très élevé. Période à mettre à profit pour faire avancer des situations qui vous plaisent. Et puis comme Vénus sera en Gémeaux durant cette période-là, donc forme toujours 10e maison solaire pour les techniciens et en même temps très beaux aspects avec vous au niveau de la condition solaire, ce sont des périodes durant lesquelles le charme oratoire est plus marqué, tout simplement. On s'exprime avec plus de facilité, on trouve les mots qui vont bien, tout à fait délicieux pour se rapprocher et créer un climat durant lequel on est heureux, on s'épanouit sur le plan affectif et émotionnel, en se sentant ce que j'appelle davantage sur la même longueur d'onde. Ça, c'est ça l'enjeu du moment, ça, durant cette période-là. Ensuite, Vénus entre en Lion. Alors, Vénus, l'amour, qui passe pile au-dessus de votre tête. Notez bien la période, celle-là, elle est exceptionnelle, quoi. Quand on a Vénus, planète de l'amour, mais en même temps, planète du charme, mais en même temps, planète de la facilité, mais en même temps, planète de la chance, parce que c'est un état d'esprit. Plus on est fluide, plus on met en place ces systèmes-là, ces synergies-là. Vénus sera, encore une fois, pile au-dessus de votre tête. Je vous le fais savourer, celui-là. Entre le 11 août et le 5 septembre. 11 août, 5 septembre, Vénus, plein pot, pile dans votre secteur. Moi, j'en veux bien toute l'année, hein, des positions de Vénus sur notre tête. Période particulièrement heureuse si on fait en sorte d'avoir un terrain qui s'y prête. Hein, tout se prépare. Hein. Mais si on prépare bien son terrain, la période est extra. Ensuite, Vénus revient vous apporter un charme tout à fait délicieux du 29 septembre au 23 octobre. Puis, pour terminer l'année, enfin, pas tout à fait terminer l'année, entre le 16 novembre et le 10 décembre. Entre le 16 novembre et le 10 décembre, c'est Vénus revient d'un signe ami, hein, Sagittaire, Trigone avec vous, période durant laquelle on a plus de chaleur, plus de votre côté généreux, votre côté convivial, votre envie de partager, d'envoyer toutes ces bonnes énergies qui rassemblent, sera là, extrêmement optimisée. Voilà, c'est dit pour Vénus. Et puis maintenant, je vais terminer avec Mercure. Mercure, c'est notre capacité à communiquer, c'est l'outil fluidifiant. Mercure, c'est important parce que ça permet, attention à vous, mes lions, vous avez la chance, c'est votre truc, d'avoir très globalement, face à n'importe quelle information, situation, discussion, confrontation, vous avez la chance d'avoir plus que les autres une capacité à repérer d'instinct très vite l'information centrale, le point essentiel, ce qui est important. Mais ce talent que vous avez, c'est pas le cas de tout le monde, du tout. Vous avez la majorité des profils qui ont besoin d'avancer, d'avoir des esprits en escalier, qui ont besoin de comprendre une information, de laisser germer, puis d'en additionner une autre, avant d'avoir une vision d'ensemble. Vous, c'est l'inverse. Vous êtes confronté à une discussion, il y a une, deux infos centrales, tout le reste, c'est pas intéressant. Tac, on le polarise, on le comprend tout de suite. C'est un talent, voilà, c'est votre force. Parmi vos forces, il y a celle-là. Et c'est pas le cas, encore une fois, des autres. Donc, ne sous-estimez jamais l'importance de la pédagogie, l'importance de rentrer dans le détail, l'importance de se mettre au niveau des interlocuteurs, l'importance de leur faire comprendre pas à pas où on veut aller, plutôt que de leur livrer en brut l'information centrale et de vous agacer quand ils ne comprennent pas tout de suite. Voilà, j'ai essayé de vous démonter un peu ce système-là, mais il n'est pas inintéressant, de mon point de vue en tout cas. Alors, Mercure vous veut du bien, et là où il va être extrêmement
percutant, je dirais, pour vous faire comprendre. Excellent, du 27 mars au 11 avril. Voilà, là, vous serez un modèle d'explication d'une fluidité communicative, d'une efficacité du verbe qui fait que là, vous avez le talent de vous faire entendre. Ensuite, Mercure vous veut du bien, du 30 avril au 23 mai. Puis du 16 juin au 5 juillet, période durant lesquelles la communication est extrêmement fluide aussi à ce moment-là. Et puis, il y en a une à me surveiller comme le lait sur le feu. C'est la période durant laquelle Mercure, dans son cycle, dans son périple, va passer en Lion. Pas en passer en Lion, il va être pile au-dessus de votre tête. Cette période où Mercure va passer en Lion, attention, elle est très très rapide. On ne peut pas faire de miracle, hein. Je vous donne ce que me donne l'étape d'observatoire. Elle sera au-dessus de, Mercure sera au-dessus de votre tête du 17 juillet au 4 août. J'en conviens, c'est rapide, mais celle-là, grand Dieu, celle-là, c'est le Saint Graal, dans le sens où Mercure, l'intelligence, le mental, passe pile au-dessus de votre tête. Tout est dynamisé. Tout ce qu'on doit signer, organiser, débugger, faire avancer, convaincre, trouver des solutions, être débrouillard, pratique, excellent. Mais puis c'est large spectre en plus, ça donne un peu de tous les domaines. Toujours cette capacité que vous avez à avoir une vision d'ensemble. Ensuite, Mercure revient vous donner un petit coup de pouce entre le 26 août et le 23 septembre. Là, on est plus dans la diplomatie agissante. Mercure en balance forme avec vous un sextile. On est plus dans le verbe doux, dans l'explication pédagogique. Mais en même temps, vous gagnez en fluidité oratoire en étant plus charmeur, plus ronde et plus optimisant, plus conseillant, plus généreux, plus doux. Tout simplement. Et là, les informations durant ces périodes-là passent aussi extrêmement bien. Je voudrais qu'on ait ça en tête. Et enfin, Mercure revient vous donner un coup de pouce en fin d'année entre le 17 novembre et le 6 décembre. 17 novembre, 6 décembre, Mercure est là. Il vous protège. Il vous du bien là aussi. Parce que à partir du moment où il forme encore une fois un trigone avec vous, le verbe est fin, pointu, précis. On va droit au but. On comprend le besoin qu'ont ceux qui sont autour de nous, parfois qu'on prenne un peu le temps d'expliquer le pourquoi du comment, chose qui est essentielle, avec, lorsqu'il sera en Sagittaire, forme un trigone, cette chaleur, cette bienveillance, cette générosité communicative, qui fait que là, encore une fois, tout ce que vous avez envie de faire passer, ben ça rentre. Oh, de manière optimisée. Bon, voilà, je vous ai fait un tour vite fait. On peut affiner à l'infini. Alors, pour l'anecdote, quand je vous fais une dynamique planétaire comme ça, c'est bon de le savoir, il faut le rappeler parfois. Ça concerne la condition solaire, bien évidemment, mais pas que. Hein. On sait, je reviens dessus, tous les horoscopes sont faits à partir de la condition solaire. Voilà, parce que c'est le seul qui revient à son point initial tous les ans, il fait son tour en un an. En fait, c'est nous qui tournons autour de lui en un an, mais vu de notre fenêtre, vu de la Terre, c'est lui qui tourne, quoi. Hein? Système héliocentrique, système géocentrique, change rien. Hein? Et dans tous les cas, on a des périodes durant lesquelles c'est meilleur et moins bonne que l'autre, on l'a vu. Ce qui m'importe dans le cas présent, c'est que vous ayez à l'esprit que quand je vous parle de la condition solaire, vous savez, de l'horoscope, ça marche aussi sur le reste. Hein? Pour ceux qui connaissent leur thème ou qui connaissent leur ascendant, retenez juste la variable qui est la suivante. Quand ce que je vous dis concerne un ascendant, ça concerne l'image que vous projetez de vous. Donc, si vous êtes ascendant Lion, par exemple, ça, vous projetez une image de vous qui est une image pleine de chaleur, pleine de positivisme, une belle image. L'ascendant Lion, c'est une belle image quand même, hein, qu'on donne de soi. Et donc, ça concerne votre lien avec le monde extérieur. C'est ça l'ascendant, le lien avec le monde extérieur. La condition solaire, le soleil de l'horoscope, c'est l'objectif central conscient vers lequel on tend dans la vie. Faisons bien le distinguo entre les deux, entre ce que Freud appelait le surmoi, l'image affichée, et la condition solaire, qui est le moi, qui est la volonté propre vers laquelle on tend. Qui est pas... Il y a souvent une confrontation entre le surmoi et le moi, entre l'image projetée et l'objectif. Dans ces cas-là, c'est une question d'harmonisation à trouver. Donc, ça joue sur les deux, tout simplement sur les deux. Et sur toutes les planètes que vous aurez en Lion, par ailleurs. Sinon, on regarde où on a les autres planètes, c'est toujours intéressant d'aller voir. Voilà, je vous ai fait ce profil vite fait. Merci, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour vos bonnes énergies. Et puis je terminerai par en vous parlant d'un truc que je vais faire normalement cette année. Là, je commence fin, si on peut le faire, voilà, sinon ça sera reporté, mais il n'y a pas de raison. C'est dans les tuyaux. Je vais faire un tour de France.
un tour de France, je passais dans beaucoup de villes en France, et on va passer des soirées ensemble. Voilà, on va passer des soirées ensemble où on pourra regarder comment ça fonctionne, comment tirer le meilleur parti de l'astrologie, comment s'approprier toutes ces mécaniques qui nous nourrissent, qui nous construisent, qui nous permettent d'avancer, d'évoluer. C'est un outil de développement personnel. Et puis, je me ferai une joie, un plaisir, vous n'avez pas idée. C'est un peu. Je connais mes lions, je connais mes lions, je connais leur amour de la vie, je connais leur amour parfois de la théâtralité aussi, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Et donc, je partagerai avec vous, je prendrai par exemple des coupes dans la salle, hein, ou des profils, je ferai des profils comme ça dans la salle, je parlerai de vous. Puis comme ça résonne pour tout le monde, en général, c'est assez sympa. Et puis, je prendrai des couples. Des couples, je prendrai un couple, hein, voilà. Et puis je parlerai de l'un, hein, comme ça, en public, de façon positive, hein, moi je suis positif. Hein. Et puis, celui dont je parlerai, je prendrai l'autre élément du couple de mon côté. Et puis, 9 fois sur 10, ce qui se passe, c'est que celui qui est de mon côté, il dit, bah, ça fait un an, 10 ans, 20 ans que je te raconte ça, mais quand c'est moi qui te le dis, ça rentre pas. Ouais, mais dit avec de façon positive, bienveillante, avec les bons mots, ça rentre. Ça débug des trucs dans les couples, c'est génial. Et puis, je prends l'autre de l'autre côté, et puis c'est au rôle du deuxième de dire, ouais, mais toi aussi, c'est ton tour, bah tiens, regarde ça, ce qu'il est en train de te dire, c'est ce que je te dis depuis un an, 10 ans, 20 ans, et puis rentre pas non plus. Mais mine de rien, en mettant en lumière, ça permet de passer des caps, ça permet de secondariser, ça permet souvent de mettre les choses en lumière de façon tout à fait simplifiée, on les débug et on passe à autre chose. C'est très intéressant. Voilà, entre autres, hein, on ferait plein de trucs comme ça, j'adore faire ce genre de trucs. Bon, merci, hein, voilà, hein, vos likes, vos abonnements, vos partages, vos gentils commentaires. On se dit à bientôt, à très vite. Merci.